je vais passer au professeur Boba. Je ne sais pas si c'est une question ou est-ce que c'est pour commenter. Donc, je tiens à remercier le candidat pour la qualité de son exposé. Vous déjà arrivez à soutenir son doctorat et réaliser son dossier d'habilitation dans l'idée fixée par la FDR, avec beaucoup de protection scientifique. Et dans des journaux et des conférences de renommée internationale, ce qui montre clairement sa compétence scientifique, qui a également été démontré lors de mon encadrement en master. Concernant le manuscrit, il est bien écrit, il est bien rédigé, mais il y a quelques petites remarques pour rendre illisible. Je commence par la page 1, préambule. La ligne numéro 3. L'idée avant, c'est d'augmenter l'appliqué diplomatique à une base de données qui est importante.
dizaines de milliers d'images. Maintenant, le nombre de dimensions serait très intéressant. Mais pour l'instant, les défauts, c'est pas la biométrie. La biométrie, quelle est l'idée ? Il faut le montrer. Mais les économies, premièrement, c'est à la vente, ça a donné ses preuves. Donc, on doit forcément utiliser les images et tout ça. D'après votre expérience professionnelle, est-ce que constatez-vous qu'il y a une liste de véritable relation entre la recherche au niveau de laboratoire et la recherche au niveau du centre de recherche? Est-ce qu'il y a des relations? Au niveau du laboratoire? Et au niveau, au niveau du site? Au niveau du labo de l'université et au niveau du centre de recherche. S'il y a une relation? Est-ce qu'on peut créer des relations? Oui. Parce qu'il existe déjà des... Je dirais c'est au cas par cas. Et pas plus tard qu'hier, on devait établir ou élaborer une convention, le centre terme et l'école. Le centre terme avec les deux unités qui existent également. C'est bon. Pour les essais analystes, pour l'accès au laboratoire, etc. Maintenant, pour ce qui est des projets mixtes, les travaux, les derniers termes qui sont mixtes vont être personnes. Il y a un docteur ou un maître de recherche, un directeur de recherche. En tout cas, il encadre un professeur au niveau de l'université, au niveau d'un laboratoire, co-encadrement. Il existe des formations en doctorat qui ont été déjà élaborées par les centres de recherche et les co-encadrement. Ça existe. Là, le centre de recherche, il ne peut pas. Pas de formation diplôme, ils ne délivrent pas de doctorat, de même de master, de centre de recherche. Donc les gens viennent faire la recherche, sinon des relations avec les laboratoires, etc. Ils peuvent co-encadrer, mais l'encadreur reste beaucoup de général. Avant, il paraît qu'ils peuvent encadrer directement avec les chercheurs permanents, ils encadrent le doctorat. L'université le permettait, le trichard. À l'autre côté. Mais pour ce qui est de la collaboration, ça reste dépendant des personnes, des affinités. Je connais un responsable de laboratoire, on peut créer un projet mixte, démarrer dans le cadre des projets, des programmes nationaux, par exemple, pour obtenir un financement, etc. La tutelle de l'Oudéro, oui, elle est très insuffisante parce qu'elle repose directement sur les personnes. Parce qu'il n'y a pas une réelle dynamique, il n'y a rien qui aurait le sens là. Je dis donc, si elle existe, elle est très insuffisante. Pour ce qui est de l'encadrement, quand vous avez un grade reconnu, le grade de recherche reconnu, vous avez un grade qui est reconnu par le ministère, notre tutelle, on peut facilement. Plus facilement être intégré dans le cadre d'une formation doctorale. Facilement. Soit en tant qu'encadreur, soit en tant que co-encadreur. Parce que vous avez un grade qui est connu par le paratutel. Le grade de maître de recherche passe par le grade de l'intervention qui est plus facilement encadré. Un des cas qu'il y en a à pour le moment, c'est le co-encadreur. Le co-encadreur, c'est le co-encadreur, c'est ça. Donc je tiens à remercier le chef en détail, ça va être une bonne chance. Merci bien, cher Benoît. Allah al-Haq, vu les travaux que vous avez effectués, c'est vrai que c'est toute une carrière que vous avez exposée ici. Alors, je veux poser comme question, c'est toujours des perspectives. C'est toujours parler de perspectives. C'est vrai que vous êtes dans un centre de recherche et on vous demande des comptes. C'est-à-dire, les comptes, c'est quoi? C'est des publications et tout. Vous avez fait pas mal d'activités en dehors de la recherche, de l'expertise et tout. Je pense que vous êtes perspective, il faut s'intéresser au côté de la partie des choses. Comme tout à l'heure, vous avez
chercher de l'argent de l'usine. Vous avez un capital de connaissances et de compétences. Au lieu de ramener des bureaux d'études de l'extérieur, autant profiter de ce qu'on a ici comme capital. Il faut essayer de faire de la promotion pour vos connaissances. Maintenant, c'est vrai que vous avez fait tous ces travaux-là dans le cadre de votre thèse. Mais au niveau d'Alger, ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dedans, dans l'article. Ils s'intéressent que le nom du centre figure sur l'article. Alors, c'est leur domaine d'intérêt. Ils s'intéressent au nom du centre et au site même. Pourquoi ne pas faire un petit rapport dans lequel vous résumez toutes vos compétences? Et le rapport, il va adhérer quelque part dans. À qui le donne? Comme ça, vous pouvez faire de la promotion pour le centre, pour vous-même, puisque vous avez déjà de l'expérience et tout, et pour même pour l'université. Bon, d'ailleurs, on a parlé un peu, c'était, on a essayé un jour de parler de ce qu'on appelle de faire un site. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'Internet pour promouvoir ces travaux. D'accord? Je pense que les. Maintenant, on passe à la deuxième phase de...